prochaine mission, on va prendre notre navire. Alors, il faut qu'on aille à River Valley. Le colonel nous attend à Albany. Je me demande ce qu'il nous réserve. Comment, nous? Je croyais que tu voulais t'entretenir avec Monroe. Pas m'enrôler dans l'armée. Loin de moi cette idée, Shell. Mais j'admire les idéaux du colonel et je tiens à les concrétiser. Quel genre d'idéaux? Des frontières sûres, des fermes prospères, le libre-échange, tout ce qui manque à ces pauvres colonies. Ça m'a tout l'air d'une noble utopie. Oui, tout à fait. Et que dirais-tu d'y contribuer? Le colonel Monroe est un homme étrange, mais ses intentions sont certainement louables. Nous rallierons Albany. J'aviserai par la suite. Parfait. Coup de voile d'or ! J'aime beaucoup les couleurs des voiles. Hein. Ferlez toute la toile, Captain Baker. Ainsi, vous êtes sain et sauf. Oui, grâce au capitaine. Fait du bon boulot. Un fier bâtiment, capitaine Cormac. Merci, colonel Monroe. Master Geist, qu'avez-vous appris au sujet des conspirateurs et de leurs nouvelles armes? Leur base d'opération est située dans un fort français en aval de la rivière. Vous aimeriez les en déloger, n'est-ce pas? Les Français ont bâti un fort au cœur de notre territoire. Ils préparent sûrement une attaque. New York est en danger. Vous joindrez-vous à nous, Master Cormac? Oui. Trop d'innocents ont déjà perdu la vie. Je serais d'avis de renforcer notre vaisseau. Le Morrigan est robuste, mais avec quelques ressources, nous pourrions le rendre invincible. Et il se trouve que je connais un avant-poste français non loin d'ici. Ton idée me plaît. Rejoignez l'avant-poste français. D'accord, c'est ici. On va remonter. Il manque du matériel si on voulait faire des améliorations. Ah justement, j'aime bien la voile. Je la trouve très sympa, donc pour l'instant on la changera pas. Bon, ça on peut rien faire malheureusement. Qu'est-ce qu'on a là? On a récupéré l'argent que notre maison nous génère, enfin que les différents poste la tenue. Qu'est-ce qu'on a? Donc avant on n'avait pas accès à ça. Ça a dû se déverrouiller à un certain moment. Ah, ça s'insombre, ça pourrait être sympa, mais pour l'instant je vais garder ma tenue, je l'aime bien aussi. Je sais plus ce qu'on avait amélioré, si notre arme. Les sacrées armes. Je
juste regarder un petit peu c'est quoi le max du max. Récompense. Épée d'Altaïr. Je peux la choper ou pas celle-là? Parce que ça me va bien. Non, je peux pas débloquer un endroit précis de l'Atlantique. D'accord. Faut pas la déverrouiller. D'accord, il y a plusieurs armes à déverrouiller. Allez, on a cassé notre tirelire. Les pistolets. Oh, c'est foutu, j'ai plus de thunes. Silex. On verra plus tard. Il n'y a pas d'autres points. Hein. Que peuvent bien manigancer les Français? Veulent-ils juste occuper ce territoire? C'était une incursion économique. Certains bandits les ont ils cherchent à saper l'autorité locale. Je sais pas si c'est très malin ce que j'ai fait. Les pauvres sont toujours les premiers à souffrir. Colonel, je vous trouve bien euphorique. Est-ce l'eau qui vous met en pareil état, ou bien le whisky? On peut s'attaquer à vous quand même, hein. Qui croyait que les gens... Ils cherchaient surtout des gens. Je sais pas combien ils vont être dans le bordel. J'ai pas l'impression qu'il y a un point très particulier. Ah là c'est pas mal. Là c'était pas mal. Je l'ai bousillé, je crois. Non, si vous. Ah non. Abordage. Attention, j'ai 15 balles. Soyons pragmatiques et si on ne peut pas les gâcher. Ah mais sans mettre le pied sur le navire. Il était gros celui-là. Réparer, envoyer à la flotte. Ok. Alors c'est vrai qu'après je me souviens on pouvait avoir une flotte de bateaux, on pouvait les envoyer faire des missions. Après je sais pas si c'est vraiment ça vaut le coup. Pour l'instant j'ai récupéré de la thune. Parce que je sais pas vraiment ce qu'il valait finalement. Il avait l'air d'être un peu costaud. Par contre on a vu dès qu'on l'a tapé dans les flancs là avec nos... le canon de bord, c'était plus la même. Allez. Bordel.
Feu ! On va aller trop vite là. J'arrive peut-être un peu vite. Le vent devient mordant, capitaine. Gardez les cacatois et les huniers. Fouillez l'ancre. Le capitaine est passé par-dessus bord. Bernard et des loups. Utilisez la dague à corps pour prendre le porteur de la clé. Ok. Attends, mais j'ai jamais trop essayé pour l'instant ce truc. Faire une petite connaissance des lieux. Comment il fait là, le gros malin? Nice. Putain qu'il est agile, hein. Pendant ça, tourne. Est-ce qu'il peut tourner? Voilà. D'accord, ok, je me suis embêté pour rien, il était juste en dessous. Pas de diamant au-dessus. Reculez. Oups. Voilà. Ah, ça veut pas. Hein. Bah. Qu'est-ce qu'il y en a comme possibilité? Ici, y a rien qui m'inspire, peut-être là, non. Ouais, non. Ah d'accord, ok. Localiser le porteur de la clé. Peut-être neutraliser la cloche ou pas. Vite. Go back, go back. Soyez alerte. On ne sait pas ce qui peut nous tomber. Ah. Allez, tu venez m'aider. Toi, dans les broussailles. Sors de là. Tu as la clé de mon cœur. Enfin, au moins du butin ici présent. Arrête-toi. Sors de ces puissants. Permis. Je peux l'abattre d'ici. Toi, dans les broussailles. Sors de là. Laissez-moi tranquille! Je ne suis pas ce soldat! Non! Je n'ai rien fait! Je le tue!
utiliser la dague à corde pour prendre le porteur de la clé. Je pense que ça doit être ok. Hein. Oups. Qu'est-ce qu'on fait? Il a déjà un pied dans la tête. Nettoyer la zone. Tous se les faire un par un. Ça dégénère, c'est le baston à la maison. Merde. Pas de soucis, je suis tué. Il a repéré des trucs qui auraient pas dû. Lourd ou pas, il faut déplacer ça. Embroché. Je vois pas trop comment l'avoir. J'ai dû me retrouver bloqué aussi dans. D'ailleurs, une astuce. De toute façon, on peut pas faire ma vie là-dessus. Là, lui, il le prend, c'est bien. Bien élevé. Non, piquez, j'ai rien fait! Oh, ne me tuez pas! Ne me tuez pas! Nice. C'est bien. J'arrive pas à avoir de trucs perpendiculaires pour l'avoir. Ouais, c'est space. Tout va bien, je m'en vais. J'ai fini de tuer tout le monde. Bon travail, chef. Il ne reste plus qu'à utiliser ces matériaux pour augmenter la puissance du Morrigan. Il nous faudra des... des canons plus puissants. C'est de ce côté-ci.
mortier, ça peut être sympa. Pas encore trop utilisé ça. On leur a pas laissé l'opportunité de nous suivre. Voilà. Parlez-vous du fort. Attaque de force, aussi c'est épique. Magnifique! Le Morrigan sèmera la terreur parmi les défenseurs de ce fort. Faites honneur au capitaine! Votre navire a fière allure, Master Cormac. Le fort ne devrait guère lui opposer de résistance. On va voir ça. Espérons que les Français seront pugnaces. J'ai hâte de me mesurer à eux. Ne souhaitez jamais le combat, Master Geist. Par les temps qui courent, nous en avons déjà bien assez. Putain, je suis passé à côté d'un trésor. Il suffira de trouver le commandant pour que les Français se rendent, non? Oui, c'est une stratégie sensée. Mais il faudra commencer. Je regarde que je prenne bien mon chemin. Faiblir les défenses du fort. Sinon, ils s'y retrancheront comme dans une tanière. Voilà notre. Alors, mortier. La longue vue permet des tirs de mortier à longue distance. C'est R2, ok. De recherche. Oui, vos actes ne restent pas impunis, vos attaques et abordages. Il est votre niveau de recherche. Lorsqu'elle est pleine, des chasseurs de primes vous traquent. Ça, je me souviens, ça.
C'est eux qui viennent m'emmerder de base, hein, c'est vraiment, hein. Là, un tir bien passé aura raison de lui. Bon, allez, faut que je finisse de détruire cette satanée tour parce que de toute façon il va m'arriver des bateaux pour l'infini, mais bon. Ça. D'accord. La sulfateuse. Qu'il y a un tonneau là qui traîne. Oh, il y en a un deuxième. Je pourrais. Utiliser le deuxième canon. Ah, c'est fini encore. Ah, terminé. Il m'avait l'air bien sympa ce petit bateau. Et on va peut-être se le garder par contre. Allez, à la flotte. Promotion. Donnez-moi de la... Attention au gras. Serrez un peu. Allez. Éliminer les vigiles françaises. Tu as un beau bordel. Pouvoir nous échapper.
là. Merde. Je me fais. J'adore ça. La salle de guerre. Exprès en plus. Le petit le grand. Merde, les deux en fait. Oh, joli défense. Pas tout. Ah, c'est un coffre à aller chercher. C'est loin. C'est vicieux hein, de le mettre là. Chasseur? Shay! Ça faisait si longtemps. Tu étais parti en mission spéciale? Oui. Achille m'envoie. Quelle coïncidence. Moi aussi, Ne m'oblige pas à faire ça! Tu hésites à m'assassiner? Je croyais que c'était ta spécialité. On pourrait s'en sortir tous les deux. Les angles de caméra sont sûr, pas cool. Bien sûr, je vais raconter à tes frères que tu es mort. Écoute, j'ai pris ça cause de ça, putain. Là, c'est moi qui ai merdé. Ah, d'accord. Tu as toujours été un bon assassin, Shay. Toi aussi. Dis-moi, que fais-tu si loin dans les terres? Des armes spéciales. Des gaz toxiques pour lutter contre les autorités coloniales. Je ne suis qu'un simple livreur. Et tu as bien mérité de reposer en paix.
pour la synchro ce coup-ci. Le chasseur avait raison. Je n'avais pas le choix. Si les assassins découvrent que je suis vivant, ils me traqueront.